C'est parti. Pour cette seconde lettre vidéo d'information du Théâtre du Jura, j'ai opté pour la couleur. Je me suis dit que ça ferait du bien avec la grisaille qu'il y a dehors et la grisaille qui pourrait même y avoir un petit peu dedans ces temps. Et nous, de la couleur, on en a parce que cette semaine, le Parlement jurassien nous a accordé sa confiance. Voilà. Il nous a donné les moyens nécessaires, en tout cas une grande partie des moyens nécessaires à fonctionner. Et ça nous touche d'autant plus qu'avec cela, il y a comme un message d'espoir, un message de croyance que la culture sera au rendez-vous de la relance, du rebond, quand tout sera passé derrière nous. Et nous, c'est ce qu'on aimerait être. Cette locomotive-là, quand on ouvrira, on vise toujours octobre 21. Deuxième moment fort et coloré pour nous, l'arrivée de Camille Rébété comme responsable de la médiation. Ouais, je sais, il n'est pas vraiment là, mais s'il était là, au niveau du cadrage, ça donnerait à peu près ça quand même. Et puis je sais qu'il n'aime pas tellement les uniformes, mais je n'avais pas mis dans la cave. Ouais, il va faire tout seul, il y a le Covid. Non, mais Camille Rébété donc, va être responsable des actions qu'on va mener pour le public et avec le public. Autour des spectacles, pour créer des liens, des ponts, pour que la culture entre dans, les vies dans la vie de tous. Et pour ça, on se réjouit vraiment qu'il soit pleinement opérationnel. Et dernière grande nouvelle pour nous, si vous voulez comme savoir à quoi ressemble Camille Rébété, peut-être, en vrai, Camille, il ressemble à ça. Voilà. Et puis, on va travailler avec Jura Tourisme aussi. Jura Tourisme, il ressemble à ça. Jura Tourisme. Ou des fois, il ressemble même... aussi à ça, voilà. Mais ça, Guillaume, depuis que je le présente comme ça, il aime les bonnets comme moi, mais depuis que je le présente comme ça, il veut peut-être plus travailler avec moi. Voilà, mais pour dire qu'avec Jura Tourisme, on va avoir un accueil commun. Ils vont fermer leurs locaux dans la gare de Delémont et l'office du tourisme à Delémont sera dans le théâtre du Jura. Donc on aura un seul poste pour faire la billetterie, pour parler de ce qu'on fait en tant que théâtre, mais surtout pour parler de tout ce qu'il y a. Loisirs, culturels, sport, divertissement, tout ce qui concerne le tourisme et qui met en avant le Jura. Et ça, nous, on se réjouit beaucoup de pouvoir faire ça. Voilà, c'est la fin. Et je vous rappelle le petit concours. Hein, celui qui reconnaît la musique du générique, du début, eh bien, il peut choisir le générique suivant. C'est pour ça que le générique qu'on a entendu aujourd'hui, eh bien, il a été choisi malheureusement par Franck Semlet. Courage à ceux qui reconnaissent. Hein. C'est parti.